Salut tout le monde les gars, c'est Colibri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring et ce suite au succès de ma dernière vidéo et au sondage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 20 premières heures, enfin les deuxièmes 10 premières heures, bref, vous avez capté. Aussi, je vais pas mettre le même titre à chaque fois, je vais essayer de faire à peu près 10 heures pour chacune de mes vidéos. D'ailleurs, si cette vidéo semble plus courte, c'est que j'ai déjà expliqué pas mal de choses dans l'autre vidéo. Et que la précédente résumait un peu plus de 10 heures, mais bon, il faut bien un combat final. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et commençons. La première chose que j'ai fait, c'est de fouiller un petit passage sur le côté du château. J'ai trouvé un objet pas fou, mais je sais maintenant qu'il va falloir que je fasse attention, parce qu'il y aura pas mal d'objets cachés dans ce château. Je me suis ensuite retrouvé devant une grille fermée, alors je suis allé dans la pièce d'à côté et j'ai rencontré ce monsieur. Il me conseillait de traverser le château par un chemin dérobé sur le côté. J'ai donc suivi ses conseils et ça me semblait être une bonne idée. Il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Mais après ça, je suis tombé sur des aigles avec des lames à la place des serres. Je savais pas du tout comment réagir face à eux, alors je me suis fait très rapidement tuer. Ensuite, j'ai demandé au monsieur de la pièce d'à côté de m'ouvrir cette porte. Mais une fois traversé, j'ai commencé à me faire canarder. Et je m'en suis sorti de justesse en récupérant les objets au sol. Je suis ensuite reparti par le passage dérobé et j'ai trouvé un moyen pour tuer ces gros pigeons. Et ce, en utilisant principalement la parade, une fois qu'ils avaient touché mon bouclier. J'ai donc pu récupérer mes runes ainsi qu'un autre objet caché. Puis j'ai fini ce que j'avais commencé en tuant les aigles restants. Ensuite, je suis tombé sur un site de grâce qui me mena par la suite à de nouveaux ennemis. Leurs attaques m'ont surpris, donc je suis mort plusieurs fois avant que je m'habitue à eux. Ils étaient pas si puissants quand on sait comment les gérer. Après ça, je suis rentré à l'intérieur des remparts et j'y ai vaincu moult ennemis. Puis je suis arrivé dans cette pièce, très sombre. Et dedans, j'y ai trouvé un ennemi. Mais autant vous dire que celui-ci était vraiment galère. Je sais pas comment le vaincre. Et je me suis refait tous les ennemis de ce côté à plusieurs reprises pour me le faire. Mais enfin, après quelques essais. Ce qui m'intéressait réellement dans la pièce précédente, c'est qu'il y avait une clé qui permettait d'ouvrir cette pièce. Derrière cette porte, il y avait une échelle qui nous menait à un endroit qui était plutôt safe. D'ailleurs, il y avait un objet que j'arrivais pas à atteindre. Alors je l'ai juste laissé là, mais je voyais pas où était la suite. Et alors que sans faire exprès, j'avais ramené un ennemi tout en haut, j'ai aperçu un chemin derrière lui. Et une fois tué, j'ai trouvé une nouvelle pièce me menant à l'extérieur. Et en vrai, y a pas à dire, mais j'adorais cette ambiance d'infiltration sur les côtés d'un château, au bord du vide. Je trouve ça vraiment stylé. Un peu après, j'ai découvert l'entrée d'une tour, qui était gardée par un soldat qui était puissant. Mais en utilisant le terrain à mon avantage, j'ai pu le battre. Je me suis ensuite avancé prudemment dans la tour et j'ai trouvé un ascenseur qui ne fonctionnait pas. Ainsi qu'un site de grâce qui était très appréciable après tous ces combats. J'ai d'abord choisi de continuer mon avancée dans la tour, tout en affrontant des ennemis. À travers une fenêtre, j'ai aperçu un ennemi. J'ai voulu tester de lui mettre une flèche à travers et ça a fonctionné. Alors après cela, tous les soldats sont venus m'affronter à l'intérieur. J'ai pu tous les tuer, puis j'ai exploré la zone. Après cela, je suis parti vers un autre chemin, où il y avait des nouveaux aigles. Cette fois-ci, ils avaient des explosifs, qui me balançaient dessus avant de m'attaquer, ce qui les rendait extrêmement dangereux. Et après les avoir tous tués, je suis arrivé sur le toit d'une chapelle. À l'intérieur, j'ai trouvé un sorcier, qui ne m'a pas appris grand-chose. Mais il me sera peut-être utile plus tard. Il y avait cependant un ennemi très puissant qui m'empêchait de traverser. J'ai alors attiré sur le toit avec mon arc et j'ai pu me le faire grâce à cela. Je suis ensuite arrivé sur une pièce en hauteur avec en bas un ennemi familier, car c'était celui qui m'a massacré en début de jeu. Mais tout se passait trop bien, alors en essayant de me faire un autre garde, je me suis fait vaincre. Puis je me suis fait vaincre par les explosifs des aigles, me faisant perdre les runes de ma mort. Il y en avait pas mal et j'avais vraiment le seum d'avoir tout perdu. J'ai donc décidé de prendre une pause de cette exploration. Et cela en retentant ma chance contre le sentinelle du tout début. Vous voyez, le plus gros problème avec lui, c'est les dégâts énormes qu'il faisait à mon perso, ainsi que sa grande mobilité qui me laissait pas beaucoup d'opportunités d'attaque. Alors j'ai testé, pour compenser, d'utiliser des esprits. J'ai d'abord pensé au noble errant, puis j'ai testé le sorcier noble, pour comparer. Et je trouvais que les errants faisaient beaucoup plus le taf, étant donné les attaques plutôt lentes et non groupées qu'utilisait le sentinelle. Malgré cela, le combat était dur. Arriver à passer toutes ses attaques en lui infligeant des dégâts,
sans trop faire d'erreurs, ça m'a demandé plusieurs essais pour maîtriser les timings. J'ai finalement décidé d'y aller à cheval, et après pas mal d'essais, il y a eu 7 fois. Jusqu'à présent, le fight se passait à merveille, mais une petite erreur et tout peut basculer. Heureusement, j'ai pu esquiver ses attaques, puis avec un dernier coup bien placé, il tomba. Yes! C'est trop bien passé ce combat. À sa mort, le sentinelle m'a donné une arme, l'hallebarde dorée. Je ne possédais pas encore les attributs requis pour l'utiliser, mais je dois avouer qu'elle était très belle. Je me suis aussi demandé si une arme lourde comme celle-là pouvait faire plus de dégâts aux hommes de pierre de la mine. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. J'ai même essayé avec un marteau. Je me sentais d'humeur au combat, alors j'ai voulu me faire d'autres boss, mais... Ouais, j'avoue, je me suis fait déchirer. Alors je suis parti tenter de faire un autre combat, qui me semblait plus simple. Celui de la grotte marine. Ça a dû me prendre plusieurs essais, mais il fallait juste le temps que je m'y habitue. Mes esprits m'ont beaucoup aidé pour pas que tous les ennemis soient concentrés sur moi en même temps. Et grâce à cela, le combat était plutôt simple. Il y avait une autre sortie par la salle du boss, alors je suis allé voir. Et devinez qui avait raison? C'est moi. La grotte menait effectivement à l'île. Île qui d'ailleurs était très calme. Sur celle-ci, je suis tombé sur un site de grâce, à côté d'une église en ruine. Dedans, j'avais l'impression d'y apercevoir un dragon. Heureusement pour moi, ce n'était qu'une statue, et juste devant, il y avait un autel. Celui-ci demande un cœur de dragon en échange d'un sort, sûrement récupérable en tuant un dragon. J'en avais déjà croisé deux à ce moment-là. Sinon, l'endroit était vraiment tranquille. Il n'y avait aucun ennemi et il y avait même un message qui me parlait d'une cathédrale, sur les dragons également. Après cela, j'ai voulu continuer en faisant le boss du relais que je n'avais pas affronté sur le moment, mais je n'étais pas encore prêt à le faire. Après cette défaite, je me suis dirigé vers la table ronde, où je trouvais de nouveaux PNJ. J'ai amélioré mon arme en plus 4, parce que pourquoi pas. Et après, j'ai parlé à ce personnage qui me semble important. Je reparlerai quand j'aurai acquis un fragment de rune majeure. J'ai ensuite reparti du côté de Voile Orage, où je trouvais une nouvelle technique pour me faire ces oiseaux, grâce à des flèches. Malgré cela, j'ai quand même bien galéré, mais ce n'était pas fini. Je n'arrivais pas à passer et je me suis fait vaincre à plusieurs reprises par ce même chevalier. Et pour je ne sais quelle raison, j'arrivais même plus à me faire les aigles. Hein. Puis, à force d'essais, j'ai quand même réussi à passer et à tuer tout le monde. J'ai donc pu avancer dans le bâtiment en tuant des ennemis. Et je suis passé incognito car j'avais peur de la puissance de ce truc. Je suis ensuite tombé sur une pièce menant à l'extérieur, mais je risque de me faire canarder si je sors de là. J'ai ensuite voulu continuer de faire la même chose en avançant doucement, mais... J'ai donc couru vers une pièce que je ne connaissais pas, et j'étais surpris quand j'ai aperçu qu'un ascenseur me menait au site de grâce. J'étais
J'étais surtout vraiment content comme vous pouvez le voir, et cela me servait à ne pas refaire les oiseaux et les gardes à chaque fois que je meurs. Je suis ensuite redescendu pour explorer en douce et j'ai trouvé des chiens, qui se nourrissaient de cadavres. Ouais, c'est toujours très joyeux jeu. Le greffier m'avait d'ailleurs repéré à travers les murs, et si je sortais, j'allais me faire attaquer à coup sûr. Mais bon, je vais pas rester là. Alors j'ai d'abord fui vers l'ascenseur, puis je me suis mis en tête de l'affronter. Mais il m'a vaincu sans problème. Puis, il y a eu ça. Et voilà comment j'ai perdu toutes mes runes. Et ça s'est pas vraiment arrangé, car je suis mort encore et encore. Il était vraiment puissant, les opportunités de le toucher étaient vraiment petites. Mais bon, comme tout ennemi, au bout d'un moment, on finit par en venir à bout. Et après des coups bien placés et un peu de patience, le greffier n'était plus. J'ai ensuite exploré une nouvelle pièce, avec dedans une pierre de forge. Mais surtout une fumée blanche qui peut se dissiper, si l'on possède une clé de lame de pierre. Ici j'en avais une, et j'ai pu vaincre les ennemis à l'intérieur. J'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, alors je suis retourné du côté de l'extérieur, car c'était le seul endroit que je n'avais pas fouillé pour l'instant. Je voulais pas foncer tête baissée, alors j'ai attiré des patrouilles pour les tuer. Puis je suis parti sur le côté, et j'ai appelé mes esprits en renfort. Et avec, j'ai pu éliminer tous les gardes immobiles. Mais en m'avançant, j'ai vu un garde qui paraissait particulièrement puissant. J'ai essayé de passer en douce, mais le garde m'avait repéré. Puis j'ai croisé un ex sous stéroïne. Et avec tous ces ennemis qui me poursuivaient, j'ai pris mes jambes à mon cou. Et j'ai pu retourner au site de grâce, reprendre de la vie. Avec toutes les runes accumulées, j'ai passé un niveau. Puis j'ai découvert un nouvel endroit du côté du barrage de garde. Il y avait des rats que j'ai affrontés sans trop de problèmes. Puis il y avait une autre de ces portes qui demandait également une clé de pierre que j'avais. J'y ai récupéré tout le stuff à l'intérieur et je suis tombé sur l'entrée où il y avait la grande grille. Je me suis ensuite baladé je ne sais où et j'ai croisé ces gardes avec un conseil qui m'a fait louper mon attaque. Autant vous dire que je me suis fait démonter. Mais à ce moment-là, je savais pas par où aller. Parce que ça me semblait pas logique de passer par le barrage de garde pour je ne sais quelle raison. Alors j'ai regardé un mec qui était rendu un peu avant moi. Et il avait sauté ici. Alors j'ai fermé la vidéo pour pas voir ce qu'il y avait après. Et j'ai sauté ici aussi. Je préfère être honnête avec vous et je suis désolé d'avoir utilisé une vidéo. Je pouvais effectivement descendre sans me prendre de dégâts. Et une fois en bas, je suis tombé sur le chevalier du creuset. Le mec de la geôle éternelle. Au final, ça m'a amené à l'ascenseur de la tour, à côté du site de grâce. Alors, du coup, c'était pas l'endroit que je cherchais. J'ai tenté de le vaincre plusieurs fois, et j'ai même essayé de timer le saut de l'ascenseur. Me laissez pas refaire ça. J'ai ensuite exploré un peu plus le château, et j'y ai trouvé un nouvel endroit qui me menait à des items inatteignables jusqu'avant. Mais il n'y avait toujours pas ce que je cherchais. C'est alors que j'ai oublié Drake. Mais pour résumer, j'ai couru à travers le barrage d'ennemis, et j'ai trouvé un chemin avec des pots méchants. Posez pas de questions. Puis je suis tombé sur un site de grâce, avec à côté l'arène du boss tant attendu, Godric le greffier. Mighty dragon, thou art a true born heir. Lend me thy strength. Kindred, deliver me unto greater heights. Well, the lowly tarnished, plain as a lord. Command thee, I am the lord of all that is golden. Nous y voilà, devant le propriétaire du château, le seigneur de tout ce qui est d'or. Pour ce premier combat, j'ai décidé d'invoquer le sorcier noble, et ce dès le début, pour pouvoir aller le plus loin possible. Je ne connaissais aucune des attaques de Godric, alors j'ai fait ce que j'ai pu. Au départ, il a enchaîné des attaques roulades, comme je les appelle, où il va sauter en l'air à la fin de celle-ci, et elles sont vraiment faciles à esquiver. Toutes ces attaques, simples, m'ont permis de pas mal baisser sa vie.
Il y a également deux attaques, principalement avec sa hache, mais s'il y en a bien une que je déteste, c'est quand il fait glisser sa hache sur le sol. J'ai beaucoup de mal à timer le moment de ma roulade, mais éventuellement, dès la première fois, j'ai pu le stun. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis, je croyais qu'il préparait une attaque. Mais en réalité, c'était plutôt le début de la fin. Of dragons, lend me thy strength. J'étais alors rendu à la deuxième phase de Godric. Durant celle-ci, il sort un dragon et il crache maintenant des flammes. J'étais surpris par cela et ne savais pas vraiment comment l'attaquer. C'était très perturbant. Il pouvait aussi combiner ses attaques de vent aux flammes et son dragon avait également une grande portée. Et à cause de cela, j'ai succombé. La première phase était de manière générale pas si compliquée. Il fallait juste rester prudent et gérer son endurance. Car en fonction de ses enchaînements d'attaques, on peut vite se retrouver à court. Surtout avec ce combo à la hache que vous voyez à l'écran. Pour certaines attaques, les esquives étaient réussies sans trop de problèmes. Mais il faut quand même faire attention au début de sa deuxième phase, car son amputation est certes une occasion de lui mettre des dégâts, mais il nous fait perdre pas mal d'endurance, qui va nous être utile lors du début vraiment de la deuxième phase. Pour celle-ci, je suis en sorte de l'esquiver en me rapprochant de lui pendant son attaque à longue distance. Sa deuxième phase, de manière générale, c'est un enfer. Heureusement, j'avais un talisman pour me protéger du feu, reçu en ayant vaincu le boss loup dans la grotte du bosquet qu'on avait fait plus tôt. C'est également à cette phase qu'il faut invoquer l'esprit, car Godric le tue toujours très rapidement. Bref, j'ai énormément galéré, mais au fur et à mesure des essais, comme tous les boss, je me débrouillais de mieux en mieux. Le dernier problème venait principalement de moi, parce que j'étais trop greedy. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais toujours en faire plus, quitte à prendre des risques. Et c'est surtout quand je voyais ma victoire arriver. Donc ça donnait lieu à des moments de somme vraiment intenses. Je me déteste. Non mais je suis le plus gros des connards. J'ai finalement appris de mes erreurs et après tous ces échecs, j'ai enfin eu ma chance. Voici donc le combat final contre Godric. Pas le faire plus tard que ça, je pense. Mal ça, hein. Faut pas être trop gueudillé, ça fait. J'aurais pas fait de faire la deuxième phase quand même, ça, mais. Ça me va aussi. Juste pas être trop gadin, non. Je suis pas encore pris de dégâts.
Let's go. Let's go. En plus, j'allais mourir par cette dernière attaque là. J'avais donc battu mon premier demi-dieu, qui m'a donné une rune majeure, ainsi que le souvenir du greffé à sa mort. Il m'a aussi donné pas mal de runes, avec lesquelles j'ai pu passer plusieurs niveaux. J'ai également croisé le même PNJ qui m'avait ouvert la grille du château, en train de piétiner la tête de Godric. Puis j'ai admiré la reine, parce que j'en ai pas trop parlé, mais de manière générale ce combat était vraiment bien. Que ce soit la reine, avec les tombes, le château et le dragon, mais aussi le boss en lui-même, avec ses attaques très satisfaisantes à esquiver. Mais aussi la musique du combat, que je trouvais personnellement incroyable. Bref, j'ai ensuite continué de fouiller le château car ce n'était pas fini. Et il n'y avait pas grand chose à part des messages de joueurs. J'ai ensuite passé à un autre niveau, puis je me suis rendu à la table ronde. Parce que j'avais maintenant accès à la salle avec ses deux doigts, ainsi que cette femme qui me semblait pas très sympa. Même si c'était juste une intuition. Les deux doigts me perturbaient aussi pas mal. Après ça, j'ai vu un peu ce que me disaient les PNJ. Puis je suis parti ouvrir la porte qui était au sous-sol. Et dedans, j'y ai trouvé une arbalète. Je sais pas trop si ça va me servir, mais je prends quand même. J'ai ensuite reparlé à lui, qui me considérait maintenant comme un membre légitime de la table ronde. Il me donnait aussi des informations sur les porteurs de fragments qui étaient pratiquement tous des demi-dieux, sauf Rhenala, qui était l'épouse de Radagon, qu'il a quitté pour devenir le second époux de la reine Marika. Ouais, compliqué les histoires de famille. Hein. J'ai également découvert que l'augure des doigts me proposait de choisir, grâce au souvenir du greffé, entre la hache de Godric et son dragon. Mais je savais pas du tout quoi prendre sur le moment, alors j'ai laissé ça de côté. J'ai ensuite continué à avancer dans le château, puis au bout d'un moment je suis retombé sur l'extérieur, du côté de Lyurnia, que j'avais déjà atteint auparavant. Il y avait une église, alors j'ai décidé d'aller voir à l'intérieur. Et j'ai trouvé une lame de vie, un objet qui sert à améliorer l'efficacité de mes fioles de vie et d'esprit. J'ai aussi trouvé un chauve qui venait de l'académie de Raya Lucaria, qui était d'ailleurs dirigé par Rhenala. Je lui ai fait un don de 10 runes, et il m'a proposé d'apprendre des sorts, ce que j'ai refusé pour l'instant. J'étais aussi pas loin de la chapelle du début, mais je pouvais visiblement pas y aller. J'ai même tenté une autre méthode, et ce sans succès. J'ai alors décidé de partir vers le sud, parce que pourquoi pas. Et je voulais pas direct aller vers un autre demi-dieu. Pour y accéder, il y avait ce pont. Mais j'y ai sous-estimé ses ennemis. Oh, wow. J'ai alors cherché un autre moyen de traverser, et j'ai trouvé ce courant ascendant. Ça vous paraît sûrement trop loin, mais apparemment pas pour moi. Alors j'ai tenté. Et devinez quoi? Ça a marché, même si c'était de justesse. J'ai trouvé un site de grâce, et j'ai réessayé d'affronter les ennemis du pont. J'y suis arrivé sans trop de problèmes, puis je suis retourné au site de grâce, et j'étais maintenant parti. J'ai trouvé, pas trop loin, une femme aveugle, qui me demanda d'aller apporter une lettre à son père, qui est resté combattre dans le château de Vent Hurlant, au sud de cette contrée du sud. Tandis que, elle, a réussi à fuir jusqu'ici alors qu'elle est aveugle, et ne s'est pas fait attaquer par des ennemis. Bref, je comprends pas. J'ai ensuite continué, et j'ai trouvé des ennemis d'ailleurs, que j'ai décidé d'ignorer pour le moment. Puis je suis tombé sur un autre site de grâce, avec à côté un vendeur. J'ai ensuite pris ce courant ascendant pour arriver sur cette colline. J'ai trouvé l'une de ces tours, et j'ai d'abord essayé d'y aller bêtement, puis j'ai plutôt utilisé le terrain, le courant ascendant. Et j'ai pu y arriver. J'ai trouvé quelques trucs, puis j'ai commencé à explorer la falaise. Il y avait pas mal de loups, alors je les ai tous tués un par un. Puis j'ai trouvé un site de grâce, avec à côté une zone avec des espèces de cratères, ayant des ennemis qui utilisaient la foudre. Hein. Alors j'ai tourné encore et encore autour de ces ennemis pour les tuer.
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le grand. Je l'avais d'ailleurs déjà combattu sur la côte, il y a un certain temps, et il était toujours aussi simple à vaincre. Donc, après quelques coups, il tomba. J'en suis trouvé un chemin avec de grosses libellules, différent de ce que je connaissais. Puis je suis arrivé devant une porte familière. On était de retour dans des catacombes, avec les ennemis habituels. Il m'avait tellement manqué. Non, en vrai, je les déteste toujours autant, j'ai encore, malgré mon expérience, bien galéré à les vaincre. C'était pas une partie de plaisir. Puis j'ai croisé une pièce qui était, à mon goût, très suspicieuse. J'avais beau les tuer, les ennemis revenaient encore. Alors j'ai simplement choisi de courir pour ma vie, mais j'étais déjà encerclé. Heureusement pour moi, il y avait une échelle qui me mena au levier, qui me permettait de déverrouiller la salle du boss. Je suis alors revenu au site de grâce pour me régénérer. Et je suis parti dépenser mes sous à la table ronde. Puis on est parti pour un combat. Dans l'arène, il y avait un veilleur, comme les premières catacombes. Mais à trois têtes, même si ça changeait rien au combat. Mais surtout, il y avait des gargouilles. Et surtout à cause de celle-ci, ça m'a pris plusieurs essais pour le vaincre. Et j'ai aussi utilisé mes nobles errants pour m'aider. Mais une fois le problème écarté, les choses étaient beaucoup plus simples. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Même si cet épisode était un peu plus court que le précédent, je l'ai expliqué en début de vidéo, mais il fait pas exactement 10 heures. Mais bon, peu importe. Je remercie pour tout le soutien que vous avez apporté pour ma première vidéo, et je ferai donc à partir de maintenant que ce format. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo, et peut-être en laissant un commentaire. Si vous pensez que je peux m'améliorer sur certains points, dites-le moi. Et puis ça m'offre aussi de la visibilité. Bon, sur ce les gens, on se retrouve pour le prochain épisode. Salut tout le monde, c'était Colibri. Ciao!